Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stumble Guys car il y a eu une nouvelle mise à jour. Donc comme vous pouvez le voir là en dessous, il y a la liste d'amis qui a été ajoutée au jeu. C'est juste une mise à jour superbe, pas énorme, mais elle est vraiment super pratique. Je vais vous montrer aussi ce qu'ils ont ajouté. Donc ici, le 4 janvier, les listes d'amis sont maintenant disponibles. La toute nouvelle fonctionnalité de liste d'amis est là. Ajoutez vos amis dans la partie et foncez ensemble vers la victoire. Donc on va voir directement à quoi ça ressemble. Donc on peut le voir ici, il y a déjà deux abonnés qui m'ont envoyé des petites demandes d'amis. Donc on va les accepter directement. Alors on peut les rejeter, les bloquer ou les accepter. Donc moi on va accepter tranquillement les deux personnes. Donc comment vous faites si vous voulez ajouter vos amis, vous appuyez ici ajouter et vous allez juste entrer son pseudo. Donc les gars, ceux qui ont des pseudos super compliqués, c'est peut-être le moment de les changer. Ensuite, ici, ça n'a pas fonctionné. Ici, après, on peut voir s'ils sont en ligne ou hors ligne. L'interface est vraiment super jolie, genre c'est très joli. On voit le skin et tout ça et on peut les supprimer. Ça peut aller jusqu'à 32 amis. Pour l'instant, les gars, j'ai de la place. Donc tous ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez sans problème m'ajouter. Donc c'est Kefko YouTube. Je vous accepterai tous, à moins si je suis plein, mais je pense pas. En attendant, on va ouvrir nos petites récompenses gratuites. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Moi, franchement, je la trouve super. Surtout si après, tu peux utiliser ça dans les tournois. Parce que souvent, les tournois, parfois, tu as du 3v3 et tout. Tu sais pas qui est en ligne, tu sais pas qui est en train de jouer. Là, tu vas voir dans tes amis. Tu peux les inviter directement. Ça serait super. Donc ça, c'est vraiment cool. Surtout que moi, ces prochains temps, je veux faire pas mal de tournois. Donc si certains veulent faire les tournois avec moi, ajoutez-moi en ami, en fait. Voilà, c'est autant simple que ça. On va ouvrir quelques petits coffres, on va faire une ou deux petites parties. Et en tout cas, la mise à jour est super, donc c'est cool. Elle vient de sortir vraiment aujourd'hui le 4 janvier, je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Il y a aussi la méga offre qui dure plus que 2 heures, qui coûtait avant 50€, qui a été mis à 50%. Moi perso, je vais pas l'acheter, mais si vous voulez avoir des skins spéciales, c'est clair que là, si vous l'achetez, vous mettez très très bien. Ensuite, il y a quoi encore? Sinon, il n'y a rien d'autre. On va ouvrir, allez, pourquoi pas, un petit skin à 35 et on en ouvre un dernier à la fin de la vidéo. Donc peut-être un spécial, les gars, on sait jamais. Hein. 1%, c'est pas non plus impossible. Donc allez, let's go. J'ai que eu un spécial jusqu'à maintenant. Ok, bon, un légendaire, c'est pas mal. Il est sympa, voilà. On a ici le Stumble Pass aussi qui avance. Donc là, je peux vous le montrer vite fait, ce qui est un petit peu... Je ne pense pas que je vais l'acheter cette saison parce que moi il me manquerait seulement une émote, c'est l'émote cœur. Et pour l'instant c'est le coup de pied là qu'on peut débloquer alors que le coup de pied je l'ai déjà, donc c'est pas intéressant pour moi. Ils ont dit aussi que dans la mise à jour ils allaient ajouter pendant cette année des nouvelles émotes. Donc ça j'ai hâte de voir, est-ce que ça va être des émotes spéciales avec un pouvoir? C'est ce qu'on va voir de toute façon, moi les gars dès qu'il y a des nouveautés je vais vous en parler. Et voilà, on est parti pour une petite game, on va faire un petit top 1 vite fait, et à la fin, on refait un pack opening. Hop. D'ailleurs les gars, si cette vidéo atteint les 20 likes, je relance directement un concours pour gagner un Stumble Pass sur mon Discord. Donc, le lien est dans ma description. Donc, hop. Première ligne de la description, c'est pour rejoindre le Discord. Allez, on avance tranquillement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de game comme ça, pas custom. Donc c'est sympa, je vais en faire plus souvent, j'aime beaucoup. On va tenter de passer au milieu là. Ok, non, j'ai tenté. J'ai cru que j'avais vu ça dans un truc pour faire des raccourcis, mais soit je l'ai mal fait, soit non. On va attendre quelques joueurs ici, on va essayer de les taper. Ah non, il s'est fait éclater lui. Il s'est fait éclater. Après j'ai lancé une partie normale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bots quand même à mon avis. Hop, voilà. On l'envoie en bas. Personne n'arrive à se qualifier. Allez, on manque en attendre un ou deux. Ok, ça c'est pas un bot. Hop là, Samy. Oh, je l'ai raté. Est-ce qu'il y en a un autre là qu'on pourrait attendre? Allez, celui-là. Celui-là, vous l'avez repéré, le dinosaure. Ok, non, il est tombé dans le vide. Là, en tac. Hop. Oh non, j'ai raté. Bon, on va quand même se qualifier, les gars. On va pas faire n'importe quoi. Mais ouais, franchement, la mise à jour, super. Super mise à jour. C'est vraiment un petit détail, mais qui est cool. Donc c'est sympa. Allez, on va attendre que les autres se qualifient tranquillement. Il y a qui comme joueur un peu là? Ok, bon, tout le monde est qualifié normalement. Ah non, il manque une personne.
Allez les bots, c'est votre moment. C'est qui va se qualifier? Ah oui, ils attendent carrément. Ah non, c'est bon. On passe directement pour le deuxième round. Allez, n'importe quelle map, mais pas le match de foot. Tout sauf ça. C'est vraiment pas ma map favorite, voire la pire. Et j'espère qu'en disant ça, on va pas tomber dessus d'un coup. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on va choper? Ok, let's go. Celle-là, je l'aime bien. Mais ouais, du coup, les gars, à chaque fois qu'il y aurait des petites mises à jour ou des petites nouvelles sur le jeu, je vais directement vous en faire partie. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Allez, oula. Bon, j'ai fait tomber pas mal de dalles, là. Ah, j'ai sauté dans le vide comme un gros noob. Hop, on balance un tacle. On va tenter le tout droit, les gars, le tout droit. Oh, let's go, let's go. Oh, oh là là, la chance. Oh là là, la chance. Je vais en attendre un ou deux pour les punchs. Est-ce que je suis cancer? Oui, un peu. Bon, on va quand même se qualifier. Hein. On va pas faire n'importe quoi. Hop, voilà. Le petit a glissé. Par contre, les gars, j'ai eu de la chance parce que je pense que si je serais tombé dans le vide et que j'aurais dû refaire toute la map pour me qualifier, ça aurait été un peu compliqué. Bon, les bots qui prennent n'importe quoi comme chemin. Ok, c'est lui qui va se qualifier pour la finale. Let's go. Let's go, qu'est-ce qu'on va nous mettre en finale? C'est ce qu'on va voir. Si c'est bloc dash ou laser, c'est gagné d'avance. Si c'est autre chose, des maps de course, ça va être un peu plus compliqué. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? N'oubliez pas de liker et de vous abonner, les gars. Oh, la nouvelle map Hot Wheels. J'ai posté une vidéo en plus récemment pour faire le record du monde sur cette map. Donc, comment vous dire que je connais les petits secrets pour aller assez vite, quoi. Les gens passent ici tranquillement. Hop. Donc on a déjà une bonne avance. Malheureusement, j'ai pas chopé le truc. Hop. Bon, ça, je suis quand même bien devant. Là, on passe sur ce côté. Hop, voilà. Ouais, on est bien devant, les gars. On est bien devant. On se booste avec le coup de pied. Apparemment, j'ai vu que sauter, ça ramène de la vitesse. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est ce qu'on pense? Dites-moi en commentaire, mais moi, de ce qu'on m'a dit, c'est apparemment tu vas plus vite en sautant. Après, je pense pas que tu gagnes des dizaines de minutes. Mais apparemment, ça booste un petit peu. Donc, allez, let's go. Ok, bon, en tout cas, on a fait un super parcours. Bon, j'ai raté le dernier. Mais let's go, le petit top 1. Et comme je vous ai dit, à la fin, là, on va ouvrir encore un petit, une petite roue, là, avec les jetons. Et on va voir si certains m'ont envoyé une demande d'amis. Mais normalement, les deux qui voulaient m'ont directement envoyé un message. Mais... tous ceux qui regardaient la vidéo, vous gênez pas et envoyez la demande. Regardez, ils sont les deux en ligne là. Bon, on peut rien faire. Par contre, je peux pas les... Est-ce que je peux les inviter? On va vérifier ça. Par exemple, si je fais groupe, jeu personnalisé, créer. Est-ce qu'il y a une touche, par exemple, inviter les amis? Pas encore. Pas encore. Par exemple, on a les amis, mais à quoi ça sert? C'est une très bonne question. Peut-être pour les tournois. On va... Ouais, non, je peux pas encore... je peux pas tester, mais... ouais, par exemple, si on joue, c'est... On peut pas inviter directement nos amis. On verra, je suis sûr, ils vont faire des mises à jour, Stumble Guys. Bon, comme je vous l'ai dit, on va ouvrir la petite... Oh, dans 7 minutes, on peut réouvrir les récompenses gratuites. Allez, let's go. Pour finir la vidéo en beauté, un petit spécial, allez. Ça serait pas mal. Ok, non, la passer, je pense que ça va être très compliqué, mais peut-être nouveau un petit légendaire, ouais. Eh ben non, je suis très nul pour... ok, je suis très nul pour prédire sur quoi ça va tomber. Bon, la vidéo est finie, ajoutez mon ami, les gars, je vous accepterai sans aucun problème. J'espère que vous avez aimé et passez une bonne journée. Ciao.